juste avant que la vidéo commence, si vous voulez jouer avec moi en live dans mon groupe pendant que je fais mes parties perso, tout simplement faut être sub à ma chaîne, en gros faut être sponsor à ma chaîne, donc c'est le petit bouton rejoindre ou le premier lien qui est dans la description. Sub, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir des emojis comme là tous les mois et avoir des petits emojis personnalisés dans le chat. Et voilà, vous pouvez jouer avec moi en live dans mon groupe. Vous avez différents stages, donc du stage 1 au stage 5. Mais plus vous montez, plus c'est plus cher. Et plus vous avez des grades beaucoup plus hauts. Du coup, je vous laisse voir ça tout simplement. Et sur ce, les gars, ciao ciao. Ok, yo tout le monde, Saxelof. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, les frérots. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter mon casier Fortnite depuis le début du jeu, tout simplement, chapitre 1, saison 1. Du coup, juste avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de la liker, à vous abonner si c'est pas fait, à mettre un petit like. Et n'oubliez pas la petite cloche de notification. N'oubliez pas de mettre mon petit code créateur, Axel5022, dans la boutique de Fortnite. Il va vous marquer AXEL5022. Ça fait plaisir, les frérots. Et on rentre directement dans le casier. Let's go. On va aller tranquillement dans les sacs à dos, on s'en fout un petit peu, je vous fais un petit tour rapide, tranquillement. Ensuite, les gars, les pioches, voilà, on va faire depuis tout en bas, on a donc la... On va monter tranquillement. Hop, donc on a Ventouse Ninja, voilà, saison 2. Ensuite, les gars, pour les planeurs, j'ai tous les planeurs de des top 1 depuis le début du jeu. Saison 4, saison 3. Est-ce qu'on va... Voilà, le parapluie de fondateur. Normalement, on va voir saison 1. Parapluie, le fameux parapluie remis au vainqueur. Je crois que c'était celui-là. C'était celui-là, je crois, à l'époque. Du coup, voilà, je monte tranquillement. Hop. Voilà, voilà. Après, planeur, j'ai pas acheté beaucoup de planeurs. Après, on danse, les gars. Ça va... Ça, on va aller vite parce que sinon, en fait, ça va être très long. Ensuite, les camos, les gars, je les ai tous, hein, pratiquement. Voilà. Donc je vais vous dire après mes skins les plus rares, je vous les montrerai. Alors on commence avec Ramirez 0 tout simplement. Donc ça je l'ai acheté quand il était ressorti, c'était les tout premiers skins Bambi de la saison 1 du chapitre 1. Ensuite on a Pastel, ça je l'ai acheté à la toute première sortie, donc de saison 8, chapitre 1 tout simplement. Donc il est magnifique. Ensuite on a Luminex tout simplement, voilà. Ensuite on a Interceptrice des Glaces, ça on me l'avait offert. On a Guerrière au sifflet, saison 6, ça les frérots. Ensuite, on a Fléchette. Donc les frérots, j'ai mis en favori tous les skins de la saison 1, enfin que j'ai du chapitre 1. Donc on a Canonnière de la Brute, on a Brouilleuse, Joyeuse, on a Trognon, enfin le skin Apple là. On a le Soldat Festif, enfin de Halloween. Ensuite, on a Solaire de la saison 8. On a Sirène, chapitre 2, saison 2. On a Reflex, ça c'était, il me semble que c'était le skin Nvidia, je suis pas sûr de moi. Donc là après voilà, on va passer tranquillement. On a Prescience de la saison 6, il est magnifique. Après on a Poiscaille d'Atlantis, on a Poiscaille normal, enfin voilà. On a Opaline, on a Lutin Poiscaille, on a la joueuse décisive de la saison 4. Donc je l'avais acheté à sa sortie tout simplement. On a Jalonneuse, malheureusement je l'ai acheté quand il était ressorti. Et ça m'a embêté. Quand je l'ai vu la toute première fois, j'aurais pu l'acheter. Enfin c'était à l'époque. On a Iris, ensuite on a Flavia. Et là les gars, on a Écuyer Bleu de la saison 2. Tout simplement le premier pas, de combat, ouais c'est ça. Avec les petits chevaliers. Ensuite on a Diva du Diamant. On a Défenseur Acharné. Ensuite on a donc la Chevaleresse. On a Chercheur Masqué. On a Assassin Arctique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Assaillante d'Épices. On a Apogné. Enfin, ils mettent des noms bizarres aussi ceux-là. On a Actini.
du chapitre 2 saison 6, enfin saison 1. Et on va défiler tranquillement un petit peu. Graffeuse de la saison X, enfin de la saison 10. On a Graffeuse normale dans la saison 4. On a le skin Jordan de la saison 9. Après, on a Exploratrice lunaire de la saison 3. Et oui, les frérots. On a Gentil maraudeur de la saison 1. Donc, que j'avais acheté. C'est magnifique. Ensuite, on a. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le skin Allié et Lié de la saison 4. En gros, tous les starter packs, je les ai. Donc on a Agent Rebelle de la saison 3 aussi. Ensuite on a Agent d'élite et magnifique franchement de la saison 3. C'est des skins qui sont magnifiques. On a Terreur Sombre de la saison 6 que j'ai acheté dès qu'il est sorti. Travis Scott, on a Marshmello de la saison 7, magnifique. Dès sa sortie je l'ai directement acheté. Ah, quelle belle époque, c'était l'époque. Ensuite on a Voyageur Noir de la saison 3. Donc avec le pass de combat de tous les spationautes et tout. Ensuite on a le skin Ruine. C'était un skin secret je crois de la saison 8. Ensuite on a Omega de la saison 4 avec tous les styles. Malheureusement j'ai pas tous les styles qui sont débloqués. Et ça en vrai c'est un peu chiant. Ensuite qu'est-ce qu'on a? On a Nomade et oui de la saison 5 les gars. Ensuite on a Midas. Midas de chapitre 2. Le faucheur de la saison 3, il est franchement magnifique, vraiment. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Joker de la saison 5. On a Hybride avec toutes ces personnalisations. J'ai des complètes. Ensuite, donc, on va avoir Exécuteur de la saison 5. Ensuite, on a Chevaleresse Rouge que j'ai acheté la deuxième fois qu'il est ressorti. Et après, on a Chef du groupe Panda saison 5. Ensuite, on a le skin du Sauver le Monde. On a le skin KO du Twitch Prime de la saison 3 quand ils étaient partenaires Twitch. On a Casse-Noisette, la deuxième fois qu'il est ressorti, je l'ai acheté. Ensuite, on a Carburo de la saison 4. Et après, on a les skins secrets cibles, etc., etc. Et après, dans les skins favoris, voilà, tout cela, les gars, c'est de la saison 1. J'en ai encore, mais j'ai pas tout mis. Je vous laisse voir tranquillement tout ce qu'il y a. Donc, voilà, Carburo. Mais on a les petits chevaliers qui sont là, ils sont magnifiques, vraiment. Dommage que j'ai pas le chevalier noir. J'étais à deux paliers de l'avoir, les gars, à l'époque. Et en vrai, c'est un peu ennuyant quand même. Mais c'est pas grave. Et du coup je pense qu'on a fait le tour du casier tranquillement. Et du coup voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner si c'est pas fait, et d'entrer mon code créateur Axel5022. Merci à tous ceux qui le mettent. Et sur ce les gars, ciao ciao.